Ce matin, les étudiants de Saint-Etienne ont aussi bloqué leur université pour la révélation de l'image, le CCC média. En ce moment même, les étudiants d'Inalco mènent une action et vont aller à Gros Moulin pour discuter avec les étudiants de Gros Moulin pour mener une action. Il y a une action à Paris 8 aussi en même temps. Nous ne sommes pas isolés. Nous continuons pour l'arrêt des livraisons d'armes du gouvernement de Macron en soutien à Netanyahou, contre le cessez-le-feu immédiat, pour l'arrêt du génocide. Et notre combat est juste pour la paix, pour les humains, pour les enfants, pour les femmes qui se font assassiner à Gaza, partout en Palestine, contre la colonisation. Et nous continuerons, nous ne nous ferons pas taire. Allez, on continue. Thank you.